Tout ça, c'est du très haut niveau. C'est pas eux là? Ils sont comment eux? Tous les i là, les fameux i. Non mais ils sont trop haut niveau. Ils sont trop haut niveau, pas peine. Putain, AVMNIT, c'est eux? Ça a pas l'air d'être eux. Mais... Ah si, c'est ça. C'est bien eux. Ok. Wow. La ski là. Et qu'est-ce qu'ils vendent? Beaucoup de choses. CRTX 42, gène modification. Plus 8 hacking skill, plus 15 hacking expérience. Ouais. Ah, eux, ils ont le... Le Cranial Final Processor de niveau 3, eux. Donc c'est bon à savoir, ça. Donc, ok. Là, je suis en train d'augmenter chez CyberSec, hein. Je suis en train d'augmenter chez CyberSec parce que c'est quand même un petit peu la priorité. Total, je dois être à 800. Sinon, c'est quoi ça? C'est le synaptique implant. Ouais, non, c'est pas intéressant. Faut que j'arrive à monter à 10K avec eux et à 70 de millions. Mais je vais relancer mon script d'upgrade. Et on est sur upgrade. Cinquante-huit secondes. Pas trop mal ça. Je dirais on reste pauvre, mais c'est une illusion. Du coup, niveau de mes actifs scripts, il a fini l'autre, mais il m'a rien ramené. Du coup. Commence à me dire que je me suis peut-être planté dans le script. Attendez, juste un instant.
pas être tranquille, 2 minutes. Allez, c'est dimanche, foutez-moi la paix. Je sais pas pourquoi, c'est dimanche et tout le monde m'envoie des messages. Bon, bref. On est à combien de serveurs 34 serveurs piratés. 34 serveurs qui se font la guerre. Voilà, c'est. Ah, merveilleux. C'est merveilleux. Du coup, je voulais quoi? Zut. Mince. Oui, mon script pour récupérer tous les leads. Parce que là, si je fais LS. En vrai, j'ai quasiment rien reçu. J'ai rien reçu en fait. Search. Je le fais juste. Ah, faut juste que je fasse point lit à mon avis. Y a pas le. Y a pas l'étoile. C'est pas un. C'est parce que l'étoile c'est un joker dans PHP. Et c'est pour ça que je confonds. Si je mets juste point lit, ça devrait le faire. Du coup, je relance. Et on va regarder un petit peu ce qu'il raconte. On va l'ouvrir comme ça, au moins on saura ce qu'il est en train de faire. Et ben voilà, il est en train de me transmettre des fichiers lits. J'ai déjà reçu 4 fichiers, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon, je suis en train de recevoir tous les fichiers lits du jeu. Donc là, c'est juste des livres, hein, c'est des trucs, mais il y a peut-être un peu de lore, il y a peut-être un petit peu de trucs à s'amuser, à regarder. Il y a peut-être des trucs extrêmement cringe, hein, ça serait fun, mais on verra bien. Hein. Je peux faire. Est-ce que j'ai la fonction cat en JS, n'importe quoi. Bah si en JS du coup. Dans le jeu, je veux dire, surtout. Est-ce que j'ai la fonction cat? Là, elle est là. Je n'avais pas. C'est bizarre, d'ailleurs. Non, j'ai pas la fonction cat en. Pour savoir si je peux faire en fait une lecture automatique des livres. Et du coup, si je suis dans le terminal, que je fais un petit ls, boum, voilà tous les fichiers lits que j'ai. Là, il y a les messages entre deux, mais ouais.
Et donc ça fait un sacré paquet de petits easter eggs, mine de rien. Pour regarder un petit peu ce qu'il y a. Script Finished. Bon. J'ai récupéré tous les bouquins. Vous voyez, un petit script rapide et puis on récupère. Ah, putain, cette petite fonction-là de parcours de graphe est juste géniale. Du coup, bon, ça on peut le fermer. Juste un truc rapidement. On est à 61K. Ça commence à devenir juste débile. Juste un peu débile. Ouais, ça c'est vraiment c'est vraiment fun. Du coup, hop, on va faire un petit clear, un petit CLS, un petit LS. En fait, même pas. On va refaire un clear et on va faire un LS.lit. Ah, je ne LS. Slash un slash étoile point lit. Tu n'acceptes pas ça? Non, mais il m'affiche tout. Il m'affiche tout, c'est pas grave. On fait ça dans l'ordre alphabétique. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. 4 A-green. Ok, d'accord. C'est un texte apparemment. Alors, je traduis à la volée, hein. Je m'attarde pas pour faire de la traduction littérale, je parcours et je vois ce que je capte comme information. Donc, ça parle d'écologie, du changement du climat, des énergies renouvelables. En 2045. En 2045, 80% de l'énergie du monde venait d'énergie non renouvelable fossile. Malheureusement, les efforts n'ont pas été au succès. Depuis 2045. La population ne cesse d'augmenter. Et très énergivore technologie. Ouais, bon, c'est un texte écologique et c'est un petit peu une uchronie, enfin une. Voilà. Bon. Ok. Du coup, ensuite on a Alpha. Alpha Omega. Quand ils ont découvert le nouveau paradis et la nouvelle terre, pour nous, le premier paradis et la première terre étaient loin derrière. Et notre océan l'était encore plus, ne l'était pas plus.
Et nous avons vu le nouveau, la nouvelle cité sacrée. Nouvelle Aéria est descendue du nouveau paradis. Là, par contre, le vert sur noir comme ça fait mal aux yeux à terme par contre. C'est pas terrible. Mais bon. Je crois que je peux changer le thème, hein, mais bon. Je sais pas s'il y a quelque chose de pertinent. Mais il y a voilà, il y a du texte, il y a des trucs à lire. Moi j'essaierai de les lire à côté, mais on a un petit peu de, on a un petit peu de lecture, on a un petit peu de lore. C'est cool. J'aime beaucoup le lore, moi. J'ai tapé VAT et pas 4. Qu'est-ce qu'on m'en vend encore? Alors, donc ça parle du transhumanisme. Des augmentations humaines. Ouais, c'est... Ouais, c'est un texte... Ok. Bon, il me saoule. Ouais, ok, ça parle des technologies humaines, des questions que ça pose à la société, d'accord. Allez, enfin, même si c'est un petit peu plus un constat qu'autre chose, pas forcément bien ou mal. Ok. Hop. Plus lumineux que le soleil. Ok, ça parle du monopole des manufactures en Asie, de la pharmaceutique mondiale, Omitec Incorporated, le leader. Le leader apparemment en intelligence et automatisation des robots. Ok, donc c'est un Taiwan Digital. Ok. Déjà une société numérique qui a digital dans son nom peut pas marcher. Hein. On dit numérique. Ici c'est Team Numérique, les gars. Is a Chinese Internet Technology. D'accord. D'accord, il touche à. Donc, c'est une société d'informatique chinoise qui touche à tout ce qui est en ligne, tout ce qui est divertissement en ligne, moteur de recherche, jeux, médias de divertissement, cloud computing, web storage. Leur nom vient du soleil. Nana, Chinese culture, Yang, symbole associé à la vie, à la masculinité et au paradis. La compagnie a été fondée il y a moins de 5 ans et est déjà dans les trois plus grosses compagnies
dans toute l'Asie. En 2076, ils ont généré un revenu total au-dessus de 10 milliards de yuan. C'est un service. Non, trillion. C'est 10 000 milliards. C'est un service qui est utilisé quotidiennement par des milliards. Billion. Billion, c'est milliards, hein. Milliards de gens à travers le monde. Alors, sachant qu'on est. Ouais, bah oui. Ok, donc ça raconte l'histoire d'une société en Asie qui a eu un succès. C'est le Google chinois. C'est le Google chinois. Plus brillant que le soleil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Code d'aide intelligente. Oh, ça m'intéresse. Code d'aide intelligence. D'importants progrès ont été faits dans le domaine de l'intelligence artificielle au cours des dernières décennies. Nos véhicules autonomes et systèmes et moyens de transport, les appareils d'assistance personnelle électronique contrôlent notre vie de tous les jours, notre santé, nos services, nos industries. Tout ceci est un exemple. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Tout cela démontre à quel point l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle. Attendez, je ferme ma ligne. Always example, how far I. À quel point l'intelligence artificielle devint. Je perds ma ligne, hein, je suis désolé. Devient proéminent dans nos vies. Quoi qu'il en soit, la question reste et demeure. Quand l'intelligence artificielle sera suffisamment avancée pour recréer l'humain, pour recréer l'intelligence humaine. Nous sommes certainement proches d'une intelligence artificielle similaire aux humains. Par exemple, Omitech Incorporated, CompanionBot, un robot. Qui simule le comportement d'un ami réconfortant pour les gens seuls. Il est très proche de l'apparence humaine. Par la parole, par le mimétisme, dans ses mouvements. Quoi qu'il en soit, l'intelligence artificielle n'est pas la même chose que les humains. Pas encore. Ils n'ont pas la sentience, pour le coup, ça se traduit pas. Awareness, l'éveil et la conscience. Ouais, bon, ok, bon, un peu considération un peu religieuse, tout ça, mais bon. Beaucoup de neuroscientifiques pensent.
qu'on n'est pas sur le point de créer une intelligence artificielle humaine. À la fin de la journée, l'intelligence artificielle tombera. Comme d'homme, tout 1 et 0. Tombera dans le binaire, j'en sais rien. Ouais. Why the human. Ah oui, d'accord, ok. L'intelligence artificielle n'est constituée que de 1 et de 0, alors que le cerveau humain ne l'est pas. Nous ne verrons jamais d'intelligence artificielle équivalente, identique aux humains. Ok. Non, non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant. Ensuite, on a quoi? Le prix de l'immortalité, Cost of Immortality. L'évolution et les avancées médicales et l'augmentation et la technologie d'augmentation ont été drastiques contre la mortalité humaine. De récentes images montrent que la vie, que l'espérance de vie des humains et ouais, d'accord. Dans le trois quarts de, dans les trois quarts des pays est au-dessus de 130 ans. D'accord, donc l'espérance de vie dans le plus des trois tiers des pays sont. Enfin, dans tous les. Ouais, dans un tiers, dans plus d'un tiers des pays est de 130 ans. Enfin, 230 ans. La plupart des gens sont centenaires. Je traduis en gros, hein. On augmente la moyenne de durée de vie. Mais cela a des effets sur la société et nos cultures. Dû à cette longévité et à la meilleure qualité de vie, beaucoup d'adultes are holding off. Sont réticents à avoir des enfants pour plus tard. En résultat, le pourcentage de jeunes dans les premières contrées, dans les first world countries, a diminué, pendant que le nombre de seniors a significativement augmenté. Peut-être est-ce le signal d'alarme, est-ce des résultats alarmants, pardon, de toute la rapidité de nos forces de travail. Désespéré d'accroître l'espérance de vie, c'est typique. Pardon, l'âge de la retraite moyenne pour les travailleurs en Amérique a été reculé de même. Disons que une part de plus en plus grande des gens aux États-Unis sont retraités. Reminded. D'accord, ok, bon. Apparemment, il y a beaucoup de retraités du coup.
Photo mort, million, adulte, heure. De l'autre côté, d'un autre côté, beaucoup de jeunes adultes s'abstiennent de rejoindre les forces de travail parce que ils sentent. Parce qu'ils veulent. Ouais, en gros, ils veulent pleinement. Enfin, comment, ils ont toute la vie pour travailler, en gros. Hein, pour ça, c'est. Bref, ils ont une toute autre mentalité, du coup. Ils veulent profiter de la vie tant qu'ils sont jeunes. Ah, c'est vrai qu'être entouré de vieux, tu te dis, autant en profiter d'être jeune, ouais. Pour un maximum d'industrie, ce manque de main-d'œuvre n'est pas un souci, n'est pas un souci majeur grâce aux robots. Quoi qu'il en soit, il reste la clé de notre industrie. En tant qu'ingénieur et pour l'éducation qui n'ont pas été automatisées. Et ça devient un danger pour les phénomènes culturels. Ouais, c'est sacré monde dans ce cas, c'est. Ah oui, avec une espérance de vie plus grande, la population vieillit, donc enfin vieillit déjà. Il y a et si bah, vu qu'on vit plus longtemps, on est plus nombreux sur Terre, donc des gens s'abstiennent d'avoir des enfants parce qu'on est trop nombreux sur Terre. Bon, ouais, enfin c'est un discours qu'on entend déjà de nos jours, hein, mais bon, ça dépend de la morale de chacun, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Démocratie is dead. Tac-tac-tac. Démocratie is dead. La chute d'un empire. C'est un poème. Les roses de l'ombre dans la rue, depuis des places de rencontres oppressantes. Oh, c'est lourd à lire. C'est un poème, donc c'est un peu. C'est un peu lourd à lire. Bon, je vous laisserai le lire, ça, c'est un petit poème. C'est un petit poème sur la mort de la démocratie. Le hacker Starting Handbook, on l'a lu. History of Synthoid. Wouf! Les androïdes synthétiques ou synthroïdes en raccourci sont génétiquement ingénierés. Hein? Sont des robots génétiquement ingénierés et une sorte d'augmentation. Art composé. Ils sont composés de substances organiques. Pour cette raison, les symbiotes sont virtuellement identiques aux humains dans la forme, la composition et l'apparence. Les synthoïdes
sont designés et fabriqués par Onitech Incorporated. Parfois. Depuis la moitié du siècle. Ok, bon, en gros, ça parle des d'androïdes qui ressemblent beaucoup à des humains et qui sont faits par cette fameuse Onitech Technology. Je vois un truc International Military Task Force. Toc, 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 toc. Oh putain, puis en plus, ça scrolle en plus. Et apparemment, il y a un groupe terroriste. Bon, c'est wouf. Allez, je commence à saturer là. Du coup, est-ce que j'ai des programmes à créer? Non. On est à combien là de machin là? On est à 74K secondes. Pas mal, mais peut mieux faire. Bon. Lui là. Hop. On va stopper pour le moment. Ce qui fait qu'on arrive là. On est à 3K. On est à 3K. On ne peut rien. On ne peut encore rien acheter. Après, de toute façon, on n'a pas les fonds nécessaires parce qu'il faudrait que j'attende un petit peu les fonds, mais. J'ai quoi? J'ai le. Je peux avoir le psy. Le psynaptique à chaque fois que tu implantes. Ouais, mais ça vaut pas le coup, pour le coup. Il me faut 10K, hein, de toute façon. Du coup, on retourne bosser pour eux. Let's go. Do something else. Ouais. En attendant, on va toucher le niveau 300 en hack. C'est impressionnant. On joue depuis combien de temps là, jeu? Putain, ça fait 5 heures que je tourne. Presque 6. Enfin, j'ai fait 2-3 pauses, mais. C'est chaud quoi. Bah, en parlant de pause, je pense que je vais en faire une. Et je vous reprends plus tard, mais de toute façon là je pense que je vais laisser tourner le jeu et faire une pause, aller me regarder un animé, quelque chose, aller chill sur YouTube, voilà. Je laisse le jeu tourner, de toute façon. De toute façon là on laisse faire le Hacknet Node, on continue upgrade. Et on verra bien ce que ça donne tout à l'heure. Et avant de reprendre l'enregistrement, je me replonge dans la doc, voir s'il y a quelque chose qu'on peut exploiter, quelque chose qu'on peut toucher. Mais en tout cas, vous avez vu un petit script qui permet de récupérer beaucoup de l'or du jeu si vous voulez le lire. Voilà. À plus tard. Bien, alors excusez-moi, j'étais parti sur autre chose, du coup le jeu a tourné beaucoup en fait pendant que je faisais autre chose. Je me suis mis sur une série en ce moment là, c'est terrible. J'ai découvert une nouvelle série que vous connaissez certainement. Si je vous le dis, je vais vous mettre la musique du générique en tête, donc vaut mieux pas que je vous le dise. Vous allez me détester sinon. Mais une série avec un très très bon générique, mais qui a tendance à rester dans la tête. Du coup, donc j'ai laissé tourner, donc j'ai 1 billion, donc on va s'en servir. J'en ai profité, j'ai augmenté mon serveur home. Je l'ai monté à 226, à 250, oh zut, à 128 gigas. Ce sera suffisant largement pour ce qu'on a à faire. Et du coup, on va aller aux factions. J'ai pas eu de nouveaux messages entre deux. Écoutez, déjà le premier truc qu'on va faire,
avec tout cet argent, c'est on va refaire un Connect Home. Connect pas Home, Dark Web. On va refaire un bail-L pour avoir la liste. Le Y dépasse, le Y passe mal sur mon clavier, je suis désolé. Et on va acheter le SQL Inject, du coup. Bail SQL. Voilà. Et puis déjà, donc, on va contaminer le reste des serveurs qui restent. Je vais tout de suite refaire un home. On n'a plus rien à faire là. Après, il restera formula.exe. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas vu la doc. J'ai vu un bout de doc là-dessus. Mais elle semble assez obscure, justement, volontairement. Ce sera un truc à explorer, à mon avis, dans le jeu. Il y a très très peu de doc, et à mon avis, il doit exister la doc dans le jeu. Pour le coup. D'ailleurs, à ce propos, je suis en train de regarder, mais. Non, oui, ça ouvre. Je suis bête, ça ouvre un lien, ça ouvre pas dans le jeu. Le tutoriel n'ouvre rien dans le jeu. Ok, donc il y a ça, et puis on va faire donc faction, et on va acheter du coup les améliorations dont on a besoin. Sauf que, ouais, si c'est bon, j'ai assez de réputation. Voilà. Du coup, on va acheter le crânial signal de génération 1. Donc plus 5 hacking skill, plus 1% sur les hacks, les gros et les waken. Donc ça, c'est OK. Donc ça, c'est notre première augmentation. On va acheter, résultat, la génération 3. Super. Et on va acheter le reste. C'est pas trop cher. On va acheter, mais après. Parce que ça, c'est pas encore trop cher. On va acheter autre chose qui est plus cher. Et c'était chez Nixek, il me semble. Chez Nixek, eux, ils ont. Ouais, ils ont le 3. Ah, j'ai pas assez d'argent. J'ai pas assez d'argent, mais ils ont la génération 3 et il me faut 50K. Donc on va bosser pour eux. On va bosser pour eux. Do something else. Du coup, est-ce que on attend? Ou est-ce qu'on le fera? Ou est-ce qu'on commandera le troisième à. On verra. Si on achète le troisième. Est-ce qu'après ça. Bitwire. Ouais, on va acheter. Hein. Hop, Bitwire. Purchase. Et synaptique implant. Voilà. Et après, il nous reste que ça. Du coup, il me semble que. Ah, donc j'ai ça. Install all augmentation. Donc il va falloir que je fasse un reboot de ça. Et chez Nitzek, en fait, chez Nitzek, il va falloir aussi que j'achète toutes les. Toutes les augmentations, donc toutes les augmentations que je peux acheter, faut les faire, mais j'ai pas suffisamment de réputation. Donc on va laisser tourner la réputation chez eux. Mais on a déjà 4 augmentations. On a déjà 4 augmentations, ce qui est pas trop mal. Du coup. Vu que je vais laisser tourner, en vrai, je vais peut-être racheter plein de serveurs et relancer mon script d'upgrade qui va upgrader tous les. Ah, d'accord, c'est niveau 200, ça. Eh ben, je vais pouvoir modifier avec vous le script. Je l'avais déjà modifié, mais au moins on sait à quoi s'en tenir maintenant. Du coup, on va changer. Hop. On va dupliquer cette ligne-là. On va remarquer ici level. Et ici upgrade level.
Hop, 2, 1, et donc ici, la limite c'est 200. J'ai vu que pour les corps, la limite c'était 16, et au moins maintenant j'ai toutes les limites. Ça veut dire que j'upgrade jusqu'à la limite, et tant que j'ai du pognon. Et on va upgrader niveau par niveau, on s'en fiche. Donc là, on est parti pour être pauvre un bon bout de temps, hein. Mais bon. Par contre, ce qu'on va faire, c'est on va acheter les serveurs maintenant. On va acheter les serveurs maintenant, comme ça. Voilà, j'ai acheté 6 serveurs. 6 serveurs de plus, et on va relancer notre script de d'upgrade. Ah, ok, je vais le retaper, c'est run update. Hop, voilà. J'ai pas sauvegardé, c'est ça? Je crois que j'ai pas sauvegardé. J'ai oublié de sauvegarder le script, du coup, c'est encore l'ancienne version. Mais je me dis, autant le laisser à x10. On les achète 10 par 10, c'est aussi bien. Du coup, ok. Et là, je sauvegarde. J'ai oublié de cliquer sur le bouton de sauvegarde. Hop, et on relance. Est-ce qu'on modifierait pas l'ordre des priorités aussi? C'est-à-dire que quand on peut augmenter le corps en priorité, on le ferait. On ferait le corps en priorité, les rames en second. Et les e-level, enfin les levels à la fin. On fait du plus cher au moins cher. Comme ça, c'est le plus cher qui est prioritaire. Ça changera pas grand-chose, hein. Mais ça peut légèrement faire varier l'idée du truc. Donc ça, c'est ok. Voilà, ce qui fait que là, les corps ont été upgrade en priorité. Les cœurs de processeur, hein. Les corps, ce sont les cœurs de processeur. Et donc, ça peut monter jusqu'à 16. Et on est à 107 K par seconde. Je vais laisser augmenter. En tout cas, on a déjà pas mal de quelques augmentations qui peuvent être intéressantes pour que le jeu puisse continuer plus vite. Excusez-moi. Ici, qu'est-ce qu'on a?
Oui, le level 8, évidemment. Bon, on n'a pas les réputations de toute façon. Bon, ben, je laisse tourner. Je vais laisser tourner, et puis bon, ben, ça. Ce qui fait que les Hacknet, ils vont continuer à s'upgrader, on va continuer à en acheter. Voilà, et puis ben c'est une question de maintenant de laisser faire quoi. Mais ça marche super bien. Je suis assez content qu'on ait fait ce script, franchement. C'est pas mal. Faudrait que je nettoie les scripts inutiles. Du coup, faudrait faire un RM. Je vais garder Nodelest à titre de test pour faire des tests dedans. Par contre, le tool search en vrai, il ne sert plus. Donc je vais le supprimer. Il ne fonctionne pas ce truc. Et j'ai lead search qui est basé sur le truc. Et le reste, ça sert. Le mass back, hein, toujours. Hein, il me faudrait le source file. Qui est caché dans le jeu. Après, je me dis, on pourrait acheter l'upgrade. On pourrait acheter quelques upgrades de ça. Je sais pas jusqu'à combien de niveaux ça peut aller ça. Si c'est level infini ou si ça s'arrête au niveau 10 ou. Faudrait voir. Je pense que ça c'est illimité en vrai. Excusez-moi pour le chat qui miaule. Mais de toute façon, voilà, hein, on a déjà fait ça, les 4 augmentations. On va attendre un petit peu, hein, qu'on ait ne serait-ce que la Gen 3, vu que je suis très bien parti là. Sinon, est-ce que j'ai un bonus? Parce qu'en plus, là, j'ai pas de bonus de production. Du coup, ça vaut pas le coup de recommencer maintenant. Parce que je vais toujours galérer pareil niveau pognon. Je vais juste augmenter plus vite au niveau hacking. C'est tout. Pour le moment, les augmentations que j'ai achetées, c'est uniquement pour améliorer ça. Et on doit augmenter notre réputation auprès des NITSEC pour des NITSEC pour pouvoir acheter notamment la Gen 3. 7 billions. Après, il y a le neurotrainer de niveau 2 aussi. Plus 15 d'XP pour tous les skills. Le data jack. Oh putain, plus 25% de hack power. 5 billions. Ouais, non. Le data jack et 3 billions. Enfin, en plus, c'est même pas si cher que ça, quoi. Faut juste beaucoup de points de répute, quoi. Il y a des trucs intéressants hein, chez NITSEC. Hein, je voudrais juste c'est avoir tous les crânial generation. Plus 15% de back power, ben ouais, c'est craqué. Hein. C'est complètement craqué. Hein. Bien.